Les écureuils de Souston, club de gymnastique bien connu de tous, accueillent de belles compétitions, notamment le championnat départemental où Pau et Bayonne étaient aussi invités. Focus sur les résultats de nos athlètes soustonnais. Lors du premier tour départemental qui s'est déroulé le 8 et 9 février, les équipes de Souston ont réalisé de beaux scores sur les trois catégories en compétition. Les jeunes poussins sont arrivés second devant Saint-Paul et Dax, l'équipe des pupilles quatrième et celle des adultes second devant l'équipe de Bayonne. C'est avec aisance que les gymnastes adultes proposent leur figure, mais il ne faut pas oublier l'entraînement intensif qu'ils fournissent depuis leur plus jeune âge. Car lorsqu'ils commencent, les poussins n'ont pas accès à tous les agrès directement. Pour les petits, c'est il y a la barre fixe, les barres parallèles, le saut, le sol. Et depuis 2 ou 3 ans, on a rajouté les arçons, un petit exercice aux arçons et aux anneaux. C'est plus sur l'initiation que point de vue sportif. Même les pupilles, ils n'ont pas anneau et arçon. Qu'une catégorie, hein. Les 2 dernières années où ils ont eu un peu de libre, et il leur faut les arçons et les anneaux. Plus qu'un simple club de gym, les écureuils, c'est aussi une petite famille qui a créé de véritables liens entre les gymnastes. C'est une bande de copains qui a traversé, qui traverse le temps. On s'est connus gamins pour la majeure partie. Bon, bien sûr, en prenant de l'âge, certains arrêtent pour passer à autre chose, d'autres envies, une vie de famille, etc. Le fait de ne pas avoir, de pas pouvoir poursuivre les études sur Souston ou même pour le travail, on se disperse un peu tous. On est une équipe recomposée, donc on a du monde qui vient de Montauban, de Limoges, on en a sur Paris, on est un petit peu partout pour les plus anciens. Les plus jeunes restent dans le coin, donc ben voilà, c'est un passage de témoin. Je fais le relais, entre guillemets, donc l'expérience des anciens apportée aux plus jeunes qui sont toujours ici. C'est les plus anciens qui sont au poste de direction, enfin, qui apportent leur expérience, qui sont tout autour pour les tâches un peu plus masquées, donc... La préparation du matériel en amont, l'accompagnement, tout ce qui peut être nourriture, etc. C'est des anciens du club, du gymnaste dans un premier temps. Et en grandissant, ben, on prend de l'âge, on prend d'autres envies, donc on passe à autre chose, donc dans l'encadrement, dans l'accompagnement. Et voilà, ça se fait au fur et à mesure, au fil du temps. Notre fédération est principalement basée sur le bénévolat, donc on fait avec les personnes qui veulent participer, qui veulent s'impliquer. Ainsi, les écureuils de Souston comptent sur de nouveaux bénévoles pour continuer à faire vivre le club et lui donner de l'ampleur. De plus, le 1er juin 2014, ils accueilleront la compétition régionale masculine dans leurs locaux. Voilà, félicitations à vous tous.